Et bien bonjour à tous et Baïkou, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt pas trop mal et je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Et déjà, première chose à dire les amis, joyeux Noël. Joyeux Noël à tous, j'espère que vous avez été gâtés. Pour ma part, bah écoutez, je ne sais pas encore, hein, parce que je tourne un petit peu avant. Et puis j'espère que vous avez passé un très bon réveillon avec la famille, peut-être les amis, je ne sais pas. En tout cas, moi, je suis toujours là pour vous régaler. On est dimanche en plus, donc voilà, et on régale tout le monde. Une petite vidéo carrière Séville. En plus, on a du lourd au programme. On a Manchester United. Attention, ça va être chaud. Match de Ligue des Champions, nous sommes la mi-octobre à peu près. On fera un petit point sur le... On va faire d'abord un petit point sur le classement de cette Ligue des Champions qu'on peut voir en bas à droite. On va l'agrandir et on se régale. On agrandit ça. Ça va arriver. Alors, nous sommes actuellement premiers parce qu'on a, gagné contre le Zénith. Hein. Le Zénith, c'était pas hyper difficile. Heureusement d'ailleurs. On n'a pas fait un gros match quand même. Hein. Je crois qu'on avait gagné 2-0, une connerie comme ça. Du coup, on a 4 points. 4 points égalité avec Celtic Glasgow. Étonnamment, le Celtic a gagné contre Manchester au dernier match. Donc au final, nous, on a fait un partout contre le Celtic, mais le Celtic, ils se sortent les watts, hein, ils sont bien. Là, on va jouer contre Manchester, donc ça va vraiment, vraiment être chaud. En tout cas, moi, je vais tout donner hein, pour ce match-là, faut pas déconner. Je pense même que pour ce match-là, je vais passer en 4-4-2, classico, Del Madrido, et vous allez voir la compo. Alors, je vais tenter le petit Fekir, je l'ai pas encore tenté avec l'équipe. Ah, j'avais envie de le tenter, mais du coup, tant que j'y pense, je vais passer en 4-4-2 classique. Tout simplement parce que j'ai peur de me ramasser les dents contre Manchester, Oziakup et Nzonzi. Je pense que comme ça c'est pas mal. Fekir, Roberto Firmino. Alors je mets Fekir à gauche tout simplement parce qu'il est gaucher. Et que vu que les tirs croisés passent bien dans ce FIFA, je vais le laisser là. Et je laisse Roberto. Puis j'aime bien Roberto Firmino à ce poste là en fait. Je trouve qu'il est pas mal. Après, on a Tremolinas qui perd énormément. On a Kolo Dzakrami, Weiser, Ederson qui a pris plus 1. Bientôt, je pense que Mercato Hivernal, Tremolinas, faut que je le vende. Je ferai passer Hernandez à sa place. Et puis j'ai un autre défenseur gauche de toute façon, qui est Scudero, qui peut jouer en équipe B. Mais pas de souci pour ça. Puis Scudero, je ne suis pas un grand fan. C'est pour ça que je préfère Hernandez. Voilà, petite préférence personnelle. Du coup, on a vu la compo pour ce match. On a vu le classement, je suis parti vite là. On a vu le classement de la Ligue des Champions. On va aller voir le classement de la Liga rapido presto. Et puis après ce match, on verra l'évolution de tous les joueurs pour voir où on en est, tout simplement. Et puis c'est tout. Du coup, niveau le classement, nous sommes actuellement 4ème. C'est vraiment tendu, hein, une ligue vraiment pas facile à jouer. Le Real Madrid est premier, Barcelone deuxième. Après, tout reste serré. On n'a que 5 points de retard sur le Real. C'est pas énorme. Mais bon, après, on est au même nombre de points que Villarreal, que Valence. Le Leganés, c'est pas loin, 14 points. Malaga, 14 points aussi. Atlético Madrid, 13 points. Franchement, là, tout le monde se vaut dans ce championnat. C'est ça qui est bien, c'est que c'est tendu, quoi. C'est chaud. C'est chaud du slide. Et donc, du coup, là, on a le match contre Manchester United. On va s'arracher les dents. Et puis on va essayer de gagner. Allez, c'est parti. Surtout, n'oublie pas que si tu aimes la série, lâche ton petit pouce bleu. Allez, c'est parti les amis, on est à Old Trafford. Nous sommes en Angleterre, du coup, à Manchester United. Voilà, on est dans l'ambiance anglaise. Ça va être vraiment être tendu, ça va vraiment être tendu. Il n'a pas l'air de pleuvoir, donc ça c'est cool. On va essayer de gagner, ce serait cool. Comme ça, on serait plus à l'aise dans cette Ligue des Champions. C'est parti. Je me cale quand même en offensif. Tout simplement parce que j'aime bien. J'aime être en offensif. Donc lui, il s'est fait sécher. Oula, putain, bon petit contrôle de Mata. Oh, qui s'est fait bouffer par Oziakup. Ça fait plaisir. Philippe Anderson. Allez, Firmino. Firmino qui régale. Putain, le tacle. Ouais, Firmino, il régalait quand même. Il était là, il s'est dit, oh les gars, moi je vais commencer à tricoter. Dommage, la passe, dommage. Je vais commencer à tricoter. Je me fais des petits plaisirs sucrés, comme. Oh merde, 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 je pensais que j'avais la balle. Allez, attention à cette première frappe, pas dangereuse. Allez, Philippe Anderson. Philippe Anderson qui déborde. Philippe Anderson. Philippe Anderson. Le petit centre. Oh, oh, c'était limite, hein. C'était limite. Allez, chope-le, Martial qui a une bonne accélération par rapport à Rami, c'est sûr. Attention. Allez, Weiser. Oh non, oh là 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 là, j'ai cru qu'il allait y avoir un but là. Il était très très bien placé ce centre. Allez, attention, ce corner pour les Mancuniens. Mancuniens. Attention. C'est bon, c'est pour le gardien et pas de pression les gars. Pas de pression. Merde, putain les gars, on prend l'eau. On prend une petite. On a une petite fuite dans la défense là. Tranquille. Voilà, bien joué. Allez. Et ça passe.
putain, mais il court vite lui. Ah, Pogba, Pogba, il est chaud. Chaud du slide, le Pogba, je vous le dis. Pas facile à contrôler celui-là. Allez. Allez, la frappe. Oh là là, détournée par un défenseur mancunien. Franchement, on se trouve des petites occasions, mais c'est pas facile. Manchester qui est vraiment bien en place. En tout cas, défensivement, ils sont là, quoi. Allez. Ah, trop sur le gardien. Oh putain. Ça passe. Allez, ça passe avec Philippe Anderson. Il y a quoi là? Mais non, mais tain, quand j'ai une occasion, ce connard arbitre, il me baisse la gueule, je suis dégoûté. Et je pèse mes mots encore. On a Galdames qui va jouer du coup. Qui est pas trop mal, Galdames, j'aime bien. Allez. C'est dommage. Dommage que Nzonzi soit blessé, je suis un peu deg, mais c'est pas grave. Du coup là je partais, j'avais une occasion. Je suis en train de mettre le feu avec Philippe Anderson. Et je me fais clairement bizuter quoi. Là, faut être honnête. Ah d'accord, il est comme ça là, il est comme ça mon gardien, il fait des petites feintes. Très bien. Allez Galdames qui vient de rentrer. Allez mon petit. Allez. Oh non, putain, je voulais la croiser, mais je l'ai pas assez appuyé, putain, je suis dégoûté, quoi. C'est la mi-temps, les amis, 0-0, on a des petites occasions. Manchester se rapproche aussi, c'est quand même un match très serré. On va aller voir les détails du match. On a un blessé, en plus, on a Nzonzi, ça c'est un peu décevant. Il y a le même nombre de tirs, on a cadré un tir de plus. On n'est pas forcément très bon en précision de passe pour le moment. Possession, on l'a pas, Manchester a la possession. Après, ils ont des très gros joueurs, hein, entre Pogba et tout le bordel. Je peux vous dire qu'on a du mal à récupérer ces ballons, mais c'est serré. En tout cas, je pense que c'est voilà, c'est 0-0, c'est le score mérité. On va essayer de s'arracher quand même, ce serait bien. Hein. Allez, on continue. Attention à cette frappe qui passe à côté, j'étais concentré, mais c'est bon. Ah putain, elle est détournée, donc c'est pas si bon que ça. On va faire attention. C'est pour le gardien, c'est good. Attention à cette occasion. Brimovic, dès qu'il frappe, c'est dangereux. C'est chaud. Allez, corner pour Manchester. À faire attention. En tout cas, on peut voir que Manchester joue quand même très défensif parce que pour les corners, ils ont au moins 3 joueurs qui restent derrière, voire plus. Donc ça reste quand même assez défensif, leur compo. Je pense qu'ils ont peur de la contre-attaque. Putain, j'ai fait ma passe avant que je contrôle. Putain, mais t'es sérieux? C'est moi qui fais faute, t'es sérieux? Attention! Oh, ouais, ça passe au-dessus. Allez, Ozia coupe. Ça fait un moment que j'ai pas eu d'occasion, les amis. Qu'il n'y a pas vraiment eu d'occasion non plus tout court. Par des tirs ratés de Manchester. Il n'y a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent. Un peu la déception pour le moment. Allez! Allez! Oh, mais non, il me fait un tacle chelou, là! Putain! Allez, on va faire des petits changements, parce que là, on est à la 68e minute, quelque chose comme ça. Et c'est pas le feu pour nous, quoi. Je vais faire rentrer Ben Yedder, sauf que je vais placer Fekir juste là, comme ça. Je pense que c'est pas trop mal, et puis je vais sortir Tremolinas, et je vais faire rentrer Hernandez, qui court plus vite, tout simplement. Et je prends un peu l'eau de ce côté-là. Allez, on continue. Oh putain, merde, attention, ça déborde. Une petite tarie, faut la sortir. C'est bon, c'était chaud quand même. Ah putain, mais t'es sérieux, c'est quoi ces passes? Allez, bonne récup. Allez. Oh non, mais j'arrive pas à faire les bonnes passes, les amis, je suis perdu. I am lost. Ah oui, ça passe, Hernandez. Allez, oui, ça, allez, je suis gay, content les gars, voilà, c'est ça. Allez, 1-0, très beau but, très belle Hernandez qui rentre, qui fait la diff les gars, il récupère un ballon, il fait une putain de passe à Firmino, voilà, il a la finition, il nous met une belle petite frappe bien enroulée avec son pied gauche, le régal, franchement pour revoir cette occasion, voilà, bonne récup d'Hernandez, hop, la petite passe, Firmino, bim. Petit tir un peu penché, qui régale, qui fait plaisir, et ça fait 1-0, on continue, attention quand même. Parce que là c'est chaud. Ouf, ça tire à côté. On a un peu de chance. Hein. Attention, on a perdu le ballon. Oh là, qu'est-ce que j'ai branlé? Pourquoi j'ai changé de joueur, GTEC? Mais non, putain, Baigo, mais je suis trop con, putain. En fait.
Là, j'avais le bon joueur et j'ai changé de joueur. Du coup, ça m'a ramené Weiser. Ça a foutu un gros trou. Il m'a fait un vieux tir dégueulasse au Rooney, mais qui... Enfin, vieux tir dégueulasse, non. Il m'a mis une espèce de petit lobe du plat du pied. Je suis dégoûté. Mais vraiment, je suis dégoûté, quand même. Ça m'énerve. Allez. Allez, mon petit. Allez. Mais non, mais c'est quoi? Pourquoi il a fait ça? Putain. Allez, il faut y aller les gars. Sinon, ben Ibra, il la récupère. Voilà. J'ai. Mais non, mais putain, mais c'est pas possible. Et j'ai la poisse, hein, en cette fin de match. Hein. La poisse en cette fin de match, les gars. Je suis pas yimbe. Oh putain, ça passe pas. Oh là 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 là. Je suis dégoûté d'avoir pris un but comme ça. Putain, j'ai changé de joueur en fait au mauvais moment. Et ça m'a complètement baisé, quoi. Ça m'a baisé. Du coup, je suis totalement du père là. Voilà. C'est la fin du match. Je suis vénère. Je suis vénère. Voilà. On se quitte sur un mec vénère. Je suis dégoûté, franchement, honnêtement. Je suis vert. J'aurais jamais dû prendre ce but de merde. Allez, on va aller directement dans les menus. Niveau stats, bon, Manchester a largement fait plus de tirs. Mais match nul au final, pour moi. Mérité. Allez, on se retrouve dans les menus. Allez, on se retrouve dans les menus, les amis. On va aller voir l'évolution de tous les joueurs pour faire un petit point là-dessus, très important. Pour voir où est-ce qu'on en est un petit peu. On va faire ça rapido, évidemment. Donc, on a Hop Ederson qui évolue un petit peu. Et ça fait plaisir. Il prend pas mal de petits plus au niveau du gardien. Weiser qui évolue aussi, ça fait plaisir. Et ils viennent juste d'arriver, ils évoluent, ça fait plaisir. Rami, lui, bon, c'est normal, 31 ans, mais au moins il baisse pas, il bouge pas, ça fait plaisir. Kolodziejczak qui continue à évoluer, plus 3 en tacle glissé, ça fait plaisir. Tremoulinas, hyper, hein, on peut voir, hyper, hyper, hyper. Du coup, ça sera la fin pour lui. Je vais peut-être faire même passer Théo Hernandez plus rapidement que prévu à sa place. Philippe Anderson, lui, il évolue encore un petit peu, voilà, tranquillement. Nsonzi, ah, il stagne, il commence à stagner. Après, c'est l'âge aussi, hein, 28 ans. Oziakoup, il continue à évoluer, ça fait plaisir. Konoplyanka, 83, il commence à stagner, mais bon, il est quand même pas mal. Roberto Firmino, il continue à évoluer, plus 1 en finition, plus 3 en dribble, ça fait plaisir. Nabil Fekir, il évolue un petit peu aussi, et ça fait plaisir également. Isaac Success, il évolue bien, plus 4 en finition, franchement, ça fait plaisir. Didion, plus 2, il évolue tranquillement. Galdames, bon, il est plus 8 en finition, ok, le mec c'est un buteur, ouais, pourquoi pas, pourquoi pas. Joaquin Correa, il évolue encore aussi, ça fait plaisir. Théo Hernandez, oh, il a pris des petits plus 1, des petits plus 2, ok. Issa Diop, il évolue bien et ça fait plaisir. Ben Yedder, il continue un petit peu à évoluer, mais pas beaucoup, il a 27 ans, ça commence, voilà. Morale menacée, ben ouais, c'est vrai qu'il y a de la concurrence à son poste. José Amo, bon lui, on s'en fout un peu. Emre Mor, il évolue bien aussi. Malheureusement pour moi, je le fais jouer quand en équipe B, mais il va peut-être bientôt gagner sa place. Je le fais travailler les centres à entraînement en ce moment. Et du coup, il progresse bien. Il faut qu'il le faire améliorer les placements offensifs après. Aguirre, 76, il évolue aussi tranquillement. Carlos Fernandez, lui, bon, je m'en fous un petit peu. Honnêtement, hein, je m'en fous un petit peu. Cristoforo aussi, lui, il évolue bien. Lui, je le fais jouer qu'en équipe B, mais franchement, il est efficace. Il est bon en tacle. Il fait la diff. Est-ce qu'il peut jouer défenseur centre? Vu les stats qu'il a, il pourrait. Hein. Malheureusement, non, il n'a pas le poste. Théo Bongonda évolue bien aussi, ça fait plaisir. Manque un peu de vitesse, mais ça va. Kiyotake, il évolue un tout petit peu. Vasquez, il évolue plus. Bon, il stagne, hein, comme Escudero d'ailleurs. Comme Carisso, tout ça, c'est le même combat. Ederson, il évolue un petit peu, ça fait plaisir. 82 de général. Weiser, il évolue. On a fait le tour en fait, les gars. Enfin, moi, j'allais refaire un tour. Je sais pas si vous avez vu, mais j'étais parti pour un machin. Une demi-heure après, le mec, il est encore en train de tourner. Nzonzi, il évolue bien. Pas du tout. Du coup, les amis, voilà, ce sera tout pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Malheureusement, on a encore fait un match nul. Voilà. Je me rappelle encore de l'époque où j'avais fait 5-3 au Real. 5-2 à Barcelone, voilà, je mettais un peu le feu, j'étais en pleine forme, voilà, j'étais au summum de ma carrière. Non, je déconne, ça va revenir, vous inquiétez pas, c'est FIFA, on peut pas tout le temps gagner. Et puis voilà, allez, sur ce les amis, je vais vous laisser, j'espère que l'épisode vous a plu. Si vous a plu, n'hésitez pas à lâcher votre pouce like, n'hésitez pas non plus à vous abonner si c'est pas fait, et à partager un maximum mes vidéos autour de vous. Et puis je vous souhaite encore un joyeux Noël, profitez-en, profitez de la famille et des amis et tout ce que vous voulez. Et puis je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine, ciao ciao.